Précisément, nous avons éprouvé en 2001-2002 la nécessité, pour combattre le développement durable, qui était un slogan mystificateur, puisque le développement durable, d'une part, met à la fois met d'accord tous les acteurs du jeu économique. Donc, on a l'habitude de dire qu'une clé qui ouvre toutes les portes n'est pas une bonne clé. Et donc, le développement n'est pas durable. Et par conséquent, face à cette finalement pensée unique, parce que le développement durable, ça signifie finalement qu'il n'y a pas d'autre alternative. On est toujours dans l'idéologie de la pensée unique, fina, there is no alternative. Et donc, il était nécessaire de proposer une alternative. C'est pourquoi on a lancé ce slogan de décroissance, qui est un slogan provocateur, pour signifier la nécessité de sortir de cette langue de bois productiviste, développementiste, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la croissance, du développement, sortir du paradigme de la croissance et du développement, sortir de la société de croissance, inventer une alternative sociétale, c'est-à-dire un projet vraiment qui fait contraste avec la société productiviste, qui est un autre nom de la société de consommation, de la société consumériste, mais de la société capitaliste, pour l'appeler par son nom, parce que société fondée à la fois sur l'accumulation illimitée du capital, c'est-à-dire la croissance, et sur la consommation illimitée, et donc sur la destruction de la planète, destruction des ressources naturelles, création illimitée de besoins artificiels, et finalement accumulation illimitée de déchets, donc de pollution de la terre, de l'air et de l'eau. Je dirais que on se rend bien compte, tout le monde se rend bien compte qu'on va droit dans le mur, et que, il faut sortir d'une société donc qui a perdu le sens des limites, retrouver le sens des limites. Par conséquent, c'est nécessairement une société qui retrouve la frugalité, mais qui n'exclut pas pour autant l'abondance. Donc il s'agit d'inventer une société, pour le dire comme mon collègue anglais Tim Jackson, une société de prospérité sans croissance, ou comme je le dis moi, d'abondance frugale. Eh bien, bon, je pense que tous ces axes sont complémentaires, parce qu'il est clair que la décroissance a une dimension éthique, donc de comportement individuel, bien sûr, mais elle a une dimension politique de changement de société, et donc c'est un projet global. C'est assez toujours pareil, demander la solution d'un problème en s'adressant à ceux qui a créé le problème, c'est évidemment assez paradoxal, parce que c'est l'un des aspects de la société productiviste, effectivement. C'est l'utilisation massive de technologies, c'est toujours plus sophistiquées, toujours plus qui sont toujours plus basées sur l'utilisation d'énergie et d'énergie non renouvelable. Donc, mettre son espoir dans des technologies pour résoudre les problèmes créés par la technologie, ça ne veut pas dire que nous sommes technophobes. Il y aura nécessité d'utiliser des technologies, y compris sophistiquées, mais des technologies qu'il faut inventer dans l'optique du projet, parce que toutes les techniques actuelles, toute la science, la technoscience actuelle est pilotée par la logique de la croissance, c'est-à-dire par la logique en fait de l'accumulation du capital, de la recherche du profit. En fait, toute la recherche technoscientifique est financée par les firmes transnationales dans l'objectif de faire des profits. Alors, évidemment, certains savants peuvent trouver des choses géniales, mais c'est toujours récupéré et utilisé dans le sens du système. Il faut changer la cabine de pilotage. Et c'est ça, au fond, le projet de la décroissance. En fait, on le voit bien, que ce soit en Espagne, en France, en Italie, partout dans les pays industrialisés, que la croissance telle qu'on l'a rêvée, telle qu'on l'a connue pendant ce qu'on appelle en France les Trente Glorieuses, c'est fini. Et ça ne reprendra plus
pour des tas de raisons, parce que on a épuisé les sources de la croissance, c'est-à-dire le pétrole bon marché essentiellement, mais moi aussi les autres matières premières. Et qu'à l'heure actuelle, on est dans des sociétés avec une croissance artificielle, fictive, spéculative souvent, et qui ne crée pas d'emplois. Donc pour avoir des emplois, il faudrait retrouver des taux de croissance de 4-5%, et ça ne reviendra jamais. Par conséquent, il faut, pour éliminer le chômage qui est une catastrophe, il faut déconnecter complètement l'activité économique de la création, que ça ne soit pas la croissance qui crée des emplois. Et pour ça, évidemment, il faut réindustrialiser nos sociétés. Les reconvertir dans une forme plus écologique, plus durable, plus soutenable, et éventuellement réduire les temps de travail, parce qu'on a acquis des gains de productivité fantastiques, mais au lieu de profiter de ces gains de productivité pour réduire le temps de travail, on en a profité pour produire encore plus, donc détruire encore plus vite la planète.